Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et mes vieux. Alors aujourd'hui, nous allons jouer à un remaster d'un RPG qui était sorti il y a... Ouf! Il y a 8 ans? 8-9 ans déjà? Ouais, 2011, 2012. Ça s'appelle Amalur. Kingdoms of Re-Reckoning, vu que c'est le remaster. Donc un jeu de... C'est un RPG action. Dans un monde fantastique. Et pour ceux qui ont déjà joué... From the beginning, we were wrong. And only now, well into the second decade of the conflict, have we begun to understand the mistakes we have made. We lived in harmony among the Fae, in a world awakened to new magic. Perhaps we should have foreseen what might be born on this rising tide, what force might awaken. A force powerful enough to twist even the eternal and the mutable Fae But Gadflo, the new king of the Winter Court, surprised us all. Singular among his people, he was all that other Fae were not. Aggressive, ambitious, visionary. He had power like none we had ever seen, terrible and deadly. Gadflo and his followers, the Tuatha De Onn, believed that a new god was to be born in the east, beneath Gadflo's crystalline fortress of Amathen. Oh, yes. In the name of that god, they marched to war against the young races of Amalur. Against a mortal army, no matter the power of their god, we might have been victorious. But the Fae are creatures of magic, not bound by the laws of life and death. Such Tuatha fallen on the battlefield would soon rise again, for the Fae do not know death as we do. How could we stand against such a force? For 10 years the war raged. For 10 years the armies of men and Alfar fought and died. But as our numbers dwindled, we knew that it was only a matter of time. Our fate had been written. At least, that is what we believed. Until you died. Voilà, ça commence bien. What do you think this one is then? Alfar, Doran, could even be a Jotun. Always a surprise, eh, Garan? Eyes on the job, boy. Don't matter what it is, dead's dead. And be thankful for that, all we've seen. Go on and pull back the sheet, though. It'll need to be in our report, one way or the other. Ah, graphiquement le jeu est quand même voilà on va c'est là qu'on va faire notre personnage. Graphiquement le jeu est quand même plus beau qu'à l'époque. Voilà, ils ont quand même fait un petit remaster graphique. Ils ont aussi fait quelques changements au niveau de l'équilibrage pour dans certains aspects du jeu. Alors les Almens, donc on va dire que c'est les humains normaux, hein. Hommes, femmes, voilà. Alors ça, c'est, on va dire, c'est les Nordiques, hein, si vous jouez à Skyrim. Et on a deux races d'elfes.
Alors, alchimie, sagesse et dissipation. Furtivité, sage et persuasion. Crochetage, observation, marchandage. Armurerie, alchimie et persuasion. Hein? Pourquoi pas? Alors, on choisit un dieu titulaire, du feu, de la sagesse. Alors, naturellement, selon le dieu que vous choisissez, vous avez des bonus. Dégâts physiques et armure, ordre, santé, mana, justice, 10% de santé. Aucun. Tiens, il manque un dieu parce qu'avant dans... Ah non, c'est selon votre race que vous choisissez, les dieux changent parce qu'il y avait un dieu de la mort qui augmentait vos coups critiques. Ouais, bonus passif à l'expérience, c'est toujours bon. Hein. Actuellement, vous avez des presets, donc des prédéfinis, mais vous pouvez les choisir par après. Hein. Donc le preset, c'est vraiment pour dire de... Voilà. Mon dieu, cette tronche. Maintenant, ça, c'était l'une des grosses faiblesses du jeu aussi, c'est que... Voilà, les presets physiques, que ce soit pour le joueur ou pour les PNJ, il n'y en a pas des masses. Donc, ce qui fait que, inévitablement, vous avez des trucs qui reviennent. Et donc, on a l'impression que tout le monde est un peu des clones des uns et des autres. Donc, c'est ça qui est un petit peu dommage. Avec ce jeu. Sinon, au niveau du gameplay, le jeu est juste... il est excellent. Il a une tronche de babouin. Accessoire, on peut lui foutre des bijoux. Conan, quelle est la meilleure chose dans la vie? On va rien mettre du tout. Tatouage, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant comme tatouage? Ok, ouais, bah ouais, on a fait le tour, voilà, confirmé. A human. Not in bad shape. Almain by the look of him. You know how you can tell? Turn him over. See if there's a stick in his ass. All right then. On est dit, make sure it goes into the report. You know he'll want all the details. Amazing how well the body held up. Better than I've seen. I'm just glad it's not moving. Must have been born under a lucky star, this one. Anything else we need? Unless you'd like to name him,
I think we're done. Put him with the others. Et on peut choisir notre nom. Well, that's it for you then. Better luck next time. Ah, ça c'est génial ça. Ça c'est... On dirait tous les lendemains de beuverie. Alors faut savoir qu'au départ ce jeu avait été fait par un studio qui s'appelait Big Studio ou un truc comme ça, qui était assez bizarrement pour l'anecdote dirigé par un ancien joueur de football américain qui était aussi un passionné de jeux vidéo. Et quand il a créé le studio, il voulait faire un MMO, mais un truc vraiment gigantesque avec des tas. C'était très ambitieux. Et ils ont décidé avant de faire le MMO, qu'ils avaient déjà commencé à travailler dessus, ils avaient fait les presets, ils avaient fait les modèles, ils avaient fait l'histoire, le monde, etc. Et en fait, pour servir un petit peu, comme le projet était quasi pharaonique, hein, faut quand même dire ce qui est. Voilà, c'est comme le projet était quasi pharaonique, quand même, c'était très ambitieux, ils se sont dit, ce qu'on a déjà comme ressources, moteur graphique, etc., on va l'utiliser pour faire une espèce de démo, pour montrer un petit peu le monde de notre jeu au public. La touche espace, c'est une roulade, ok. Et c'est ça qu'ils ont décidé de faire, ce jeu. La confidentialité est primordiale dans nos recherches, c'est pourquoi nous devons nous débarrasser de nos expériences ratées de façon appropriée. Les cadavres qui s'amoncellent dans les grottes sont devenus un problème. Un incinérateur a été installé afin de détruire les déchets. Et donc du coup ils se sont dit, ben voilà, on va faire un jeu basé dans notre monde, qui va être la base de l'histoire. Qui va montrer un petit peu... Ben ça devait servir en bref de démo technique, on va dire. Et donc ils ont fait ce jeu. Le jeu qui a assez bien fonctionné, même si c'était pas excessivement fantastique. Pour la simple et bonne raison que le jeu souffre quand même de quelques lacunes. Mais que bizarrement n'a rien à voir avec le gameplay. C'est plutôt un petit peu l'immersion, comme je disais. Tous les PNJ sont presque des clones les uns des autres, vu qu'il y a genre 6 presets, on va dire 24 combinaisons différentes. Donc vous avez toujours l'impression de parler au même PNJ en boucle, ce qui n'aide pas forcément. Ensuite, c'est clic droit pour frapper et effectuer les combos. Donc le gameplay du jeu... Bah, je termine un petit peu ce que je racontais. Et aussi, le jeu est sorti très très proche. Avec la sortie, c'était soit Mass Effect 2 à l'époque, et Skyrim. Il est sorti un petit peu entre les deux là. Ouais. Donc du coup ça a pas aidé, si vous voulez. They're all over. Run. Scatter, children of dust. Scatter before the might of the Tuatha. Même si le jeu est pas mal, il est très intéressant, ça reste quand même de la fantasy un peu générique dans l'ensemble. Il y a vraiment. C'est quelques éléments de l'histoire, comme le fait ici que voilà, vous avez des.
une armée d'immortels et que vous, vous êtes mort, mais vous êtes revenu à la vie, donc il y a beaucoup avec l'histoire de la destinée, etc. Mais sinon, tout ce qui est autour, c'est High Fantasy générique numéro 2. Hein. C'est un petit peu ça le problème. Sinon, le jeu est bien. Il est... Vous voyez, les combats sont vifs, ils sont rapides. En fait, c'est un excellent jeu de hack and slash. Voilà. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont vendu comme un RPG. Alors ici, ensuite, malheureusement, il y a eu des problèmes avec le fisc. Avec le fisc, etc. Et du coup, bah, le studio a dû mettre la clé sous la porte. Il y a toute une histoire où en fait, le gars, quand il a fondé son studio et pris l'argent pour son projet, il a réussi à impliquer l'État du New Jersey dans l'histoire et se faire financer par l'État. Mais alors du coup, il y a eu des magouilles, etc. Et c'est ça que du coup, le studio a mis la clé sous la porte. Please help me, please. More mortal scum? No. All die. Oh, thank you. Thank you. I... If you hadn't come a long way... I've seen you before. On the slab. You were dead. It worked. By the tome, it worked. You're alive. You died. I don't know how or even where. But your body was remade in the Well of Souls, and somehow it worked. The well restored your soul to your body, and it worked. We must get you to Professor Hughes right away. He'll have questions for you. Naturellement, c'est le voilà la roue des dialogues, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque le jeu était aussi distribué par Electronic Arts. Et donc du coup, comme à ce moment-là, c'était les jeux de rôle les plus proéminents qu'il y avait, c'était Mass Effect et Dragon Age. Donc du coup, beaucoup des mécaniques de dialogue de jeu s'inspire de voilà la roue des dialogues qu'on retrouve dans Mass Effect et qu'on retrouve dans Dragon Age. Oh my, you don't know? Perhaps the process damaged your memory. They are the Tuatha De Onn, the enemies of all the young races. We've never seen them this far inland, not even during the invasion. I Hughes may have the answer to that as well. You must stay alive and reach him, Professor Formerus Hughes. The Well of Souls is his life's work. The Tuatha are coming into the lower levels. If we hurry, take these. They'll help keep you safe long enough to get to Hughes. Now, let's get going! He'll be in his study on the ground floor of the tower. At least, I hope he's there. And safe. Let me get this door. Right this... Et donc c'est comme ça que malheureusement le jeu, bien qu'il a continué à exister normalement, il a été disponible, il est encore disponible pour le moment sur Steam. Alors, par contre je ne sais plus comment on fait. Voilà, associé, voilà. Alors, le menu radial, hein, c'est assez classique. Le menu radial vous permet d'accéder rapidement aux objets en compartiment. Là, vous pouvez les commander. Oui, et en appuyant Enter. Vous pouvez également ajouter des consommables au menu radial en cours de partie en appuyant sur Tab. Voilà. Ouais. You.
Go fast. Et on appuie sur Tab et on a accès au menu. Parfait. Alors naturellement, c'est assez classique où faut détruire tout ce qu'il y a dans le décor pour ramasser les brawls. Alors normalement, en toute logique, apparemment non, il ne l'a pas fait. Depuis vos inventaires, vous pouvez sélectionner les objets. Oui, donc. Alors, comme vous dites, le fonctionnement est assez classique. Hein. Ce qui n'en fait pas un mauvais jeu. Attention. Alors, au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, que vous avancez en niveau, que vous gagnez de l'expérience ainsi que des points de talent, vous pouvez débloquer de nouveaux combos, améliorer les combos que vous avez, etc. Maintenant, je ne sais pas si on y a accès tout de suite. Non, on ne voit que les objets. Ah, si, voilà. Voilà, donc vous avez trois arbres de talent, puissance, qui est toutes les capacités corps à corps, donc guerrier, en somme toute. Finesse, qui sont toutes les capacités de rogue ou d'archer, ainsi que quelques pièges. Et la sorcellerie, donc vous avez de l'invocation, de la défense, de l'éclair, du feu, voilà. Alors, il n'y a pas énormément de diversité au niveau de la magie, mais selon les manières que vous pouvez les utiliser et les niveaux que vous impliquez, que vous investissez dans la magie, les effets peuvent changer. Et ça, couplé avec le système des archétypes, donc l'archétype, pour ceux qui ne sont pas au courant, le jeu n'a pas de classe. C'est un système de destinée qui pour le moment est bloqué, donc ça on va le débloquer par après. Et ben voilà, on voit ici, alors ici c'est assez pratique, voilà vous voyez les combos avec les armes. Voilà vous avez épée longue, marteau, espadon c'est les épées à deux mains, les dagues. Et vous pouvez faire vraiment un build complètement stealth et faire des assassinats discrets dans le jeu. Donc le jeu vous permet de faire un grand panel de builds et de manières de jouer différentes. Ce qui est quand même sympa. Et les lames fées, ce sont des glaives en fait. Voilà. Si vous avez déjà joué à WoW, vous avez vu des chasseurs de démons, vous connaissez Illidan, vous avez vu des glaives. Vous avez les bâtons. Et ce qui est bien aussi, c'est que même les classes magiques dans ce jeu... Ils sont badass. Voilà, regardez la vidéo quand même. Voilà, avec un bâton. Voilà, c'est, on dirait presque un moine Shaolin qui fait des trucs. En fait, ils ont fait en sorte que le combat soit classe. Et au départ, ça devait être un MMO. Donc, vous vous rendez compte, un MMO comme ça, avec un système de combat pareil, ça veut dire... Les chakrams sont aussi des armes magiques à distance, mais qui sont très très sympas pour le contrôle de zone. Et le bouclier, vous pouvez équiper un bouclier, peu importe le type d'arme que vous utilisez, mais le bouclier, en fait, vous ne l'utilisez que lorsque vous voulez parer ou bloquer une attaque. Vous appuyez sur la touche, votre bouclier il apparaît dans votre main, voilà. C'est simple. Alors, naturellement, vous avez différentes capacités... ça montre un petit peu tout, la puissance, la finesse. Voilà. Mais ça, on regardera plus tard. Ouais, on va toujours faire une petite sauvegarde. On crée une nouvelle sauvegarde. Voilà. Alors, situation, ça vous explique toujours un petit peu. C'est comme un lexique, ça vous explique un petit peu ce que vous êtes en train de faire, pourquoi vous êtes en train de faire et ce qui se passe autour de vous. Donc c'est toujours pratique. This is what they're after. Our greatest invention, the Well of Souls. Imagine an end to war, an end to death. Alors ça c'est pour bloquer, ok. Et la touche pour se mettre en fufu, c'est quoi encore? Non.
ça, ça va faire que bah, on sera le seul et unique. If you can find anything useful. Bah, c'est ce que je comptais faire, de toute façon, t'inquiète. Hein. Ça, on regardera après. Torse, non, ça n'a pas changé. Consommable, on a gagné une potion en plus. Dans les objets, à des crochets pour crocheter les serrures, assez classique. Hein. Et voilà. Et avec ça, on a notre bouclier. Something? More to offer! Ouais, naturellement, quand vous faites un bon timing avec votre parade, vous pouvez du coup. Make your pace, mortal. Going to need more than just that sword. That one had a bow. Get it? Ah, voilà. Alors, on va équiper en secondaire, parce que du coup, vous pouvez avoir une arme secondaire et une arme primaire. Vous pouvez switcher de l'un à l'autre. Simplement avec la molette. Alors les flèches sont... elles sont quasi infinies. C'est juste qu'à un moment donné, quand votre carquois est vide, il faut attendre un petit peu que ça se remplisse avec le... Oh. Archers up ahead. Best shoot them before they see us. Right. Go, go! Oh bah attends, t'inquiète, faut tout nettoyer. Parce qu'avant j'étais dans la propreté, moi, si tu veux, monsieur, donc faut que je nettoie tout. Ugh.
Alors aussi, vous avez donc trois types d'équipements, hein, donc l'armure légère, lourde ou intermédiaire, qui, selon les types, donnent des bonus différents. Voilà, donc là, c'est une armure, je crois que c'est lourde. Voilà, elle donne un plus gros bonus en armure et elle augmente votre efficacité avec les blocages aussi. Tandis que l'armure intermédiaire, donc de cuir, bah, elle va augmenter vos dégâts critiques, etc. etc. Et les armures légères qui sont faites pour la sorcellerie, n'est-ce pas, ben ça, si je ne me trompe pas, ça va augmenter votre magie ou votre régénération de magie. Daggers are deadly if you catch an enemy unaware. Their speed more than makes up for their size. Alors, ce qui est bien aussi avec les dagues, je vais les mettre en secondaire. C'est que du coup, les dagues vous permettent de vous mettre en mode fufu. Et naturellement, il faut aussi des attaques rapides. Et ça vous permet de faire aussi des assassinats silencieux. Oui, donc au-dessus de la tête des ennemis apparaît un œil. Tant que vous êtes hors de sa zone de perception. Et alors aussi, les assassinats sont automatiquement fatals. Donc c'est ça que c'est très efficace lorsque vous voulez faire un build basé sur la discrétion. Alors oui, l'un des problèmes du jeu aussi qui malheureusement n'a pas l'air d'avoir été modifié. C'est que la caméra est assez particulière. Parce qu'on dirait qu'elle a... Alors, elle est axée sur vous, mais... Vu la manière dont votre personnage se déplace dans le décor, vous voyez, elle reste fixe. Alors du coup, si vous tournez en même temps, bah, alors du coup, voilà ce que ça donne. Et du coup, vous voyez pas où vous allez. Le contrôle de la caméra est assez flottante. En fait, la caméra est flottante. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et si on n'a pas l'habitude, c'est vite casse-couille. Cave blossoms only respond in the presence of magic. Perhaps there is more to you than it seems. Et voilà. Incredible. What are you? Et voilà, avec ça, on vient de débloquer la magie. Alors, Hugh, conformément à vos souhaits, nous avons enfin résolu le problème avec les araignées. Claude tentera d'attribuer tout le mérite de cette nettoyage efficace à lui, c'est prêt à rien. Mais je pense qu'il ne réalise pas à quel point mon esprit aiguisé. Ouais, bon. En supervisant la purge des araignées, j'ai remarqué que les gardes affectées par le venin arachnéen présentaient un raidissement des articulations et un épaississement de la peau, des symptômes qui laissent entrevoir une solution au problème de cohésion interne de certaines créations du puits. J'aurais aimé étudier plus attentivement ces symptômes, par conséquent je demande que nous capturions certaines de ces araignées. Nanani nananer. Voilà, alors comme je vous le disais, donc voilà, l'équipement fait pour mage. Là, ce qui est marrant, c'est que le.
Ah, mais ça remplace aussi votre torse et vos jambes, c'est ça qui est con. Donc voilà, ça a plus d'armure qu'une armure intermédiaire, mais comme ça ôte votre armure de jambes aussi, les robes. Ben voilà, du coup, je vais quand même l'équiper. Tu as déjà donné assez classe, même si ça diminue mon armure. Mais là, ici, de toute façon, tout ce que ça faisait, mon armure de jambes, c'était augmenter un petit peu mon critique. Alors, avoir du critique, c'est toujours bien. Mais les capacités de régénérer sa magie plus rapidement, surtout au début du jeu, quand c'est pas terrible, c'est quand même mieux. Après, quand vous commencerez à crafter vos propres items, c'est pas trop un problème. Alors, là on sait pas aller plus loin de toute façon. Il y a quand même un coffre. Alors, ça fait quoi ça? Voilà, augmente la régénération. Bon, on va le prendre, mais on va pas l'équiper tout de suite. Ah! Naturellement, le classique, les énormes araignées. Le bâton, bon, on va quand même l'essayer, parce que de toute façon, c'est le début du jeu, donc du coup, on essaye tout. Alors, vous voyez, le bâton, c'est quand même... Le gameplay au bâton est quand même assez satisfaisant dans ce jeu. C'est ça que voilà, il n'y a pas de mauvaise ou de meilleure classe, c'est vraiment juste ce que vous préférez. That's what I intend to find out. What? Then he'd better get inside to see the old man. Simple cloth frees your body and mind. That's why mages prefer it. Leather armor is thin, but we'll give you the speed to reach an... This is where we part ways. But take whatever you want from this armory. We might have a few things that would fit you. Just make sure you get your shoes. We can hold off the Tuatha here. I suppose these might be able to help. If the Tuatha realize what you are, you'll need them. Oh, quelques potions. Parfait. Directly ahead. In his, he needs to see you. Right now, you're the most valuable. I'll see you on the outside, if fate wills it. Ah, plate armor. Nothing protects quite like layers of impervious metal. Voilà, donc là on peut se faire
Hop, hop. Donc les dagues, ouais. On va garder le bâton et on va faire épée. Bâton. Armure. Armure, ce qu'on peut faire. De toute façon, vu qu'on a bandage. Hop, voilà ça. Ça. Hop. Ah, c'est un petit mélange, hein. C'est un very very best of plus. Bon, comme ça on a un petit peu de crit, on a 20% de régen et un peu de bonus au blocage. Et de toute façon, on a quand même l'air beaucoup plus classe. Alors, ouais. Augmente de 25% l'armure totale. Si on va se le garder de côté. Augmente les dégâts de poison de vos attaques. Ça, c'est pas mal. On va le mettre là aussi. Voilà. On a aussi des crochets, des kits de réparation. Voilà. Ok. Je crois qu'on a dépouillé tout ce qu'il y avait à dépouiller. Hein. Et on va. F5, donc classique, ça c'est la sauvegarde rapide, parfait. On va quand même vérifier, mais normalement... Normalement c'est ça, mais on va quand même leur faire un petit coup. Hein, on sait jamais. Alors aussi, la particularité, c'est qu'on est niveau 0. Donc on est moins que rien. C'est un truc qui, en général, c'est assez rare quand on voit ça dans un jeu de rôle. On commence au niveau 0. Quelque chose de particulier là, non? Alors, journal d'avancement du puits. Enfin, elle est morte. Toute nouvelle plainte peut mettre à déceler directement. On va se le prendre. Il n'y a rien à prendre là non plus. Non, non. Là-dedans, on peut pas aller, ok. Là, il n'y a rien. Ok, allons-y alors. Alors, normalement, on peut sprinter, je crois, mais ça n'a pas encore été débloqué, apparemment. Oh, là, rien, ok. Alors, oui, je disais une connerie, on n'a pas besoin des dagues pour pouvoir se mettre en fufu. Mais il n'y a que les dagues et les glaives qui vous permettent de faire des assassinats. You've made it, and look at you. Even with all you've been through, the Tuatha, your return from the dead. Please forgive me. You must be terribly confused by all of this. I am Fomorous Hughes, and this is my laboratory at Alistar. Everything you see here is dedicated to one thing, the Well of Souls, the pursuit of immortality. And you, you're my first success. Merci, Highlander. If we only had the time, there's so much we might learn from one another. Born to be kings. You don't know. They're called the Tuatha. They were once fey folk of the Winter Court, but they've been twisted by their Lord Gadflow. But how could they have found us out here? We're miles away from the front lines. The war has never touched Dalentarth. And why attack the well?
que t'es en train de faire des trucs à la noix, et ils ont... It's been my life's work. Decades of research with a singular goal, ending death itself. And now, but why did it work on you and no one else? What makes you different from the others? There are so many questions to ask, and if we're to get any answers, we've got to get you someplace safe. Too much to explain right now. The Tuatha have come to stop my work, but I don't believe they know about you. Not yet. What's important is getting you out of here safely. You're the only proof of what we've achieved here. I may not be able to save the well, but I can ensure that its only success is safe. Alors, ce qui a changé, c'est que les dialogues, ça balance de soit la liste des sujets que vous voulez parler. Enfin, oui, non, c'est pas que c'est chiant, mais c'est assez déconcertant parce que vous avez la liste des sujets auxquels vous voulez parler et puis vous avez les décisions. Voilà. Absolutely not. I've got my notes, but it's most important. It's just that you. Wait, where are you going? Simply astounding. I'm not certain what's caused it, but somehow... Yes, as I was saying, I'm not sure what... Perhaps I should go see. Sir! Sir! Mr. Hughes! The Tuatha have breached the lab! They're inside the... No! We've got to get you out of here now! Quickly! Follow the path to the town of Gorhart. Find Agarth. He's a friend, and he may be able to help. No matter what else, stay alive! Bon, la bonne idée, quand même. Il est quand même vif sur ses pattes. Bon, apparemment, il n'y a pas grand chose. Se mettre sous les mains, ici, à se mettre sous la dent. Donc on va continuer notre bonhomme de chemin. Là voilà, c'est... le trou dans la tronche, ok. Quand on voit invulnérable, c'est pas qu'il est invulnérable aux dégâts, c'est juste les altérations d'état que je suis en train de faire. Oh putain! Et voilà.
Et là, le finish. Finish him. Plus 5 en santé, bah on va s'équiper. Voilà. Obtenu une pierre nébuleuse, ça sert pour l'artisanat. Comme le jeu nous le fait remarquer. Côté des plages de l'Éden, des pendus sont parsemés d'objets attendant d'être récupérés, comme des armes et des armures de qualité, des potions, des réactifs ou du matériel d'armurerie. Et voilà, l'entrée de la tour qui s'est effondrée derrière nous. Non ! Tous ces pauvres mecs qu'on connaissait pas et qu'on n'en avait rien à carrer. Et voilà, notre premier gain de niveau. Donc, quand vous gagnez de niveau, vous gagnez un point de skill. Bon. Alors, alchimie, les expériences ratées produisent des potions instables, améliorez vos chances de succès quand vous récoltez des réactifs. Et donc, chaque carré où il n'y a rien dedans, en fait, ça augmente juste votre niveau. Voilà, en améliorant un petit peu vos capacités. Et ce, vous voyez une rune à l'intérieur, ça rajoute une option qui se coule, si vous voulez. Alors, observation, ça c'est pas mal. Dissipation, vous avez certains objets, des coffres, des portes, qui ont des locks, donc des verrous normaux, hein, que vous devez... crocheté avec des crochets, mais vous avez certains verrous qui sont magiques, donc c'est une espèce de mini-jeu. Et la dissipation, ça augmente vos chances de réussite. Voilà. Diminue la difficulté, améliore les prix d'achat, la persuasion, réduit de 20% le montant des pots de vin en cas de crime, améliore vos chances de persuader les autres à partager votre point de vue. L'art de sage, ça c'est pour récolter des pierres de bonne qualité et aussi pour en crafter de meilleure qualité. Et naturellement, la furtivité. Donc là, vous voyez, donc ça réduit par point 5% de champ visuel des PNJ. Bon, voilà, donc ce qu'on va faire ici... On va prendre un crochetage. Ça va toujours servir. Et alors ici, on a 3 points disponibles. Alors. Augmenter de 1 le blocage, ça sert toujours. Finesse, alors lancer une onde de magie noire pour blesser et faire chanceler les ennemis devant vous. Appuyez rapidement une nouvelle fois sur la touche pour lancer une salve de lame noire, infligeant des dégâts perforants. Oh, c'est pas mauvais ça. On va prendre ça. Voilà, donc bon, c'est pas très imaginatif parce que voilà, je vais mettre un point dans chaque. Bon. Armement magique débloque des attaques spéciales pour les bâtons et les chakrams. Augmenter le pouvoir de votre éclair. Ou canaliser. On va débloquer les attaques spéciales ici plutôt. Voilà.
Alors, dans l'inventaire, on a des potions mineures, ça, de toute façon, ouais. Les objets. Objet utilisable, sac de pierre cristalline utilisé pour l'artisanat des sages. Ouais, donc ça, on va se le mettre de côté, voilà. Et voilà, du coup, on a débloqué. Frappe cométaire. Alors, la traduction française, des fois des trucs, hein, bon. On va pas trop rester dessus. Alors, journal de quête. Donc, ça, c'est tout à fait classique. Alors, terminé, les quêtes de faction, les quêtes secondaires, les tâches. Voilà, parler au tisseur du destin. Voilà, donc on va continuer là-bas. Alors, vous récoltez aussi les composants d'artisanat un peu partout. Ah oui, on voit. Voilà, donc ça fait... Quand on le charge, ça fait un dash. Ok. Bon, d'abord, on va tout ruiner pour essayer de looter le max de brawl, et puis on va adresser la parole à quelqu'un. Vous imaginez la tête des gus on a perdu notre boulot, les gens qu'on aimait, et l'autre il est en train de tout casser. Ah, certains réactifs sont plus difficiles à ramasser que d'autres. Développez votre maîtrise de l'alchimie. Ah, salope. Thank Matharu, another survivor. Are there any more? I suppose that's a little bit of kindness from fate. May those still trapped inside rest peacefully. Voilà, à moins que vous voyez une des options qui soit en bleu. Bon, il n'y a pas d'information vraiment importante que ces loustiques puissent nous fournir. Oups, bon, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Did they really have a troll? I don't know how the Twatha found us, but if they had a troll, it couldn't have been an accident. Fate was kind to collapse that doorway behind you, or they would have chased us into the glade. Tu m'étonnes. Look out there. Normalement, il y a moyen de... Ah, voilà. Bon, on voit sur la map qu'il y a un passage secret. Comme on sait tous, un passage secret derrière Ah ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait pas énormément de dégâts par contre. Hein. Ah, oups, non. Alors ça aussi c'est un peu le problème, c'est que le. Il n'y a pas vraiment de visée de l'op. Alors du coup c'est un petit peu à la nawak. Ah voilà, ça y est, on a le premier crochetage. Alors si vous voulez, vous pouvez voilà, le faire automatiquement sans vous casser le cul. Et voilà, selon votre niveau et le niveau de la serrure, voilà, vous avez le pourcentage de chance. On va le faire. Alors, bouger de droite à gauche, maintenir D pour déplacer la coulisse. Si le crochet est bien orienté, le verrou cédera, mais si l'angle est mauvais, le crochet risque de casser. Alors, bloc 6 dégâts, bloc 5 dégâts. Ou non, je vais garder mon bouclier actuel. Enfin, on va toujours prendre le restant. Ah, voilà un coffre qu'il faut dissiper.
Alors là, comme on n'a pas de compétences en dissipation, nos chances automatiques sont assez faibles. Alors là, c'est un mini-jeu. Alors appuyez sur la souris lorsque le curseur se trouve au-dessus d'un glyphe pour le détruire. Les glyphes se régénèrent avec le temps. En cas d'erreur, ils sont tous restaurés. Voilà. Donc là, ça va, c'était assez facile. Des fois, il y a des trucs un petit peu plus compliqués. Mais disons, voilà, ça c'est l'essentiel donc du gameplay. De l'autre côté. Alors, on peut se quitter en nageant, parfait, ça c'est parfait. Ouais, non, là au-dessus c'est la rivière qui s'affiche. Donc là il y a rien du tout. Okay. Donc ça c'est un hôtel. Alors, confère un bonus temporaire au personnage. Chaque divinité accorde des dons différents. Il n'y a pas moyen de voir. Non. Peut-être dans un autre menu. On va sortir de la clairière ici, je crois que ça sera tout. Oh putain, j'avais même pas vu lui. Oh oh! You! I remember you! You're the one? How did you come back? How did you find me here? No, I had no idea anything like that would happen. The Well of Souls is bigger than one gnome's pet project. My employer pays for information about its progress. I just send the reports to make some money on the side. I never wanted anyone to get hurt. Ha, of couillon, va. I promise you, if I knew who it was, I'd tell you. Sharing research is one thing, but academic sabotage is a crime! I don't have... Okay, here. It's all I've got, plus what I got paid for the information. I don't want any part of this. I'm going home to Odessa. Odessa, quand? T'as fait ça pour 100 pièces d'or? Bah mon vieux, t'es con, hein. What is this world coming to? C'est vraiment une pauvre cloche. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? C'est juste des loups, ok.
nouveau lieu découvert. Ah ouais, c'est un donjon. On reviendra là plus tard, parce que là, on a vraiment pas le niveau. On n'a pas le niveau ni l'équipement, si je me souviens bien, pour ça. Donc on va revenir un petit peu après. Je crois que ce type est un des personnages principaux du scénario. Name's Agarth. Maybe you can help an old fate weaver, eh? Fate weavers look at the great tapestry of fate. The threads will tell us how a life will unfold. But knowing the future and being able to change it are two very different things. Did he? Poor old Fomorous Hughes. He respected the way the world works. What a shame. He's probably dead by now. Hmm? When he started his experiments here, he asked me if they'd ever be successful. The cards told me that the Well of Souls would work, but its success would come on the day that Hughes was to die. Ah. The old man took it pretty well, honestly. Although we did a lot of drinking after that. Okay. You? You're the one. Then that means... It all makes sense. The cards this morning. I drew the Gravedigger, the Running Man, and the Beast. Prepare yourself. They're coming. Ah, décidément, on peut pas être tranquille plus de 5 minutes ici. La jauge de destin. Quand votre jauge de destin est pleine, le symbole du destin se met à vibrer. Vous pouvez alors utiliser votre destin, votre énergie du destin pour activer le mode jugement. Appuyez sur F pour continuer. Le mode jugement accroît fortement votre vitesse et votre puissance d'attaque. Il reste actif jusqu'à ce que la jauge de destin s'épuise ou que vous infligiez une fatalité. Maintenez X pour libérer la puissance du destin et activer le mode du jugement. Quand vous attaquez vos ennemis en mode jugement, leur destin commence à se désagréger. Approchez d'un ennemi dont le destin se désagrège et appuyez sur F pour lancer une fatalité. Cette attaque consommera toute votre part du destin et détruira tous les ennemis en désagrégation pour vous apporter un bonus d'expérience. Ah, c'est jamais deux fois le même! C'est ça qui est chiant avec ce système, c'est que on n'a pas le temps de cliquer assez vite pour arriver jusqu'à 100% de bonus. Et en plus de ça, c'est soit la souris 1, soit la souris 2, soit espace. Ils changent quand ils ont envie. What? How? What are you? The threads of fate. Je suis le personnage principal. I've seen them before, but je suis le Deus Ex Machina. I've never seen anyone manipulate them like that. You just changed how the world was supposed to work. How did you do that? You just... Fate is the will of the gods. No mortal should be able to change it. Je suis athée. How is that even possible? Come here. I'm going to do a reading. You might. I promise not to tell you if I see your death. It's a gift. Some people paint landscapes, other people write poetry. I peer into the weave of fate's tapestry and see people's deaths. That would be my guess. He was an academic, but he had a proper respect for fate's plan, unlike most gnomes. You're nervous. Relax.
I'll be seeing your place in the pattern of destiny. Who you are, what you've done, where your path takes you. Or, at least, I should be. You're real, right? I swear I haven't had that. I am. Well, it was a thief. But still, oui, I've never seen someone whose fate was just missing. Not even when I was drunk as the king of ballads. This doesn't make sense. All mortal creatures have a place in the pattern. You should have one too, dead or... If this is true, and I'm not saying I believe it, then your path is yours to determine. Et voilà, le fameux système de destinée qui en fait est un archétype. C'est ce qui définit un peu l'archétype de votre personnage. Voilà, donc ça c'est ce que vous êtes au début, être unique. Comme vous venez de ressusciter, votre destin est une page blanche que vous pouvez remplir comme bon vous semble. Alors vous choisissez Bagarreur. Alors selon les archétypes, donc les destins que vous choisissez, vous obtenez des bonus différents. Et naturellement, vous voyez, vous avez des conditions. Donc il vous faut au moins un certain niveau dans un, voire deux, voire plusieurs des arbres de talent pour débloquer certains destins. Vous avez des destins qui se débloquent au fur et à mesure selon les points que vous investissez. Ah, donc si vous mettez plus de 5 points, plus de 11 points dans l'arbre de talent de puissance, ben voilà, vous débloquez ça. Donc 28, etc. Vous voyez, donc combattant, soldat, guerrier, conquérant, connétable. Donc vous voyez, regardez, voilà, et certains des bonus que ces destinées vous confèrent peuvent changer votre manière de jouer. Voilà. Alors vous avez des trucs classiques, des bonus à tel ou tel dégât, etc. Mais en plus de ça, vous avez 20% de chance d'étourdir. Baroud d'honneur, résurrection automatique avec 20% de votre santé lorsque vous mourrez. Quand même pas mal. Alors vous avez, ça ce sont un petit peu toutes les destinées que vous avez de base. Mais que vous devez, bon, pas pour ça que vous y avez accès tout de suite, hein. C'est au fur et à mesure. Et il y a certaines destinées que vous pouvez débloquer au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire. Et selon vos actions. Vous voyez, initié magique. Voilà, quand même 11 en sorcellerie. Donc ça fait quand même minimum du niveau 5 voire 6. Selon comment vous répartissez vos points. Voilà, les skills magiques vous coûtent moins en mana. Vous faites plus de dégâts élémentaires. Le prophète... Alors le prophète, vous régénérez du mana de manière passive. Vous pouvez vous téléporter. Ça remplace l'esquive, mais enfin bon, voilà, ça fait la même chose. Et le sage, le sorcier, l'archimage. Alors là, ici, vous voyez, finesse et sorcellerie. Du coup, vous avez le disciple, l'arcaniste, le thaumaturge. Voilà, vos coups critiques garantis contre les ennemis en proie à la panique. Vous pouvez vous téléporter plutôt qu'esquiver. Éclipse empoisonnée, la téléportation à court portée a fait une AE d'empoisonnement. Cabaliste, ombre. Voilà, selon... moi, mon préféré, c'était quand même le... Voilà, puissance sorcier. Voilà. Parce que quand vous subissez des dégâts, c'est converti en points de mana, ce qui est quand même sympa. Et aussi, ça augmente vos dégâts. Là aussi, vous téléportez, hein, donc c'est un petit peu la même chose. Ça augmente, oui, vos dégâts en mêlée. Le parangon. Et le champion, chance de générer des projectiles magiques à chaque fois que vous tuez quelqu'un. Donc ça, c'est sympathique aussi. Puissance finesse, vous êtes dueliste, le veilleur, le vengeur, le tueur. Alors certains, voilà, sont juste des bonus à des trucs existants, ne changent pas grand-chose. Voilà, et puis vous avez quand même ça.
Coupe jarret, dégâts physiques plus 15%. Non, mais vraiment ça. En fait, vous pouvez avoir des autres points dans un autre arbre de talent, c'est juste que vous devez avoir au minimum, voilà, pour sélectionner cette destinée-là, 55 en puissance et en finesse. Vous pouvez avoir 20 ou 10 ou 40 ou même 50 en sorcellerie. Mais il vous faut 55 en finesse et en puissance pour pouvoir choisir la destinée du maître lame. Alors là, ici, vous avez un mélange puissance, finesse, sorcellerie. C'est celui qui demande le moins pour y accéder, mais qui fait aussi un petit peu... Voilà, c'est vraiment... C'est classique, c'est aventurier en tout genre, c'est générique, quoi. Vous voyez, voilà, ça augmente vos dégâts de mêlée à distance, magique. Vous avez plus un toutes les compétences. Résistance totale aux dégâts. Et il fait quoi? Voilà, augmente vos chances d'infliquer des... Ça, c'est si vraiment vous voulez avancer de manière plus ou moins égale. Voilà, parce que vous voulez vraiment faire un mélange de tout. Universaliste. Voilà, donc... Donc, voilà comment cela se goupille. Ici, ce qu'on va faire... Pour le moment, on va choisir le bagarreur. Alors maintenant, vous pouvez changer à tout moment votre destinée, selon comment vous avancez. Enfin, je crois. Ou alors peut-être qu'il faut parler à un PNJ spécifique, à un tisseur du destin, justement, je ne sais plus. Mais voilà. I can see the threads around you, but they're shifting, changing, so... Normally the threads would guide my hand to the cards, and I'd use those cards to see your pattern, so either there's something wrong with me, and there isn't, or there's something very wrong with you. It could mean nothing, or it could mean everything. The world is changing. You might be a sign of that, or maybe the cause. I've never had a reason to doubt my own readings, but we should consult with Arden. He's not a friend, but he's got a good eye for the tapestry. I'll meet you at his home to the east. I'm going to see if I can be of any help to the wounded at the tower. That's just it. I don't know if you've got one, but that's why we're going to see Arden. He lives in a little hut to the east in Yulvan. I'll meet you there. What could this all mean? Et voilà. Donc on va en rester là pour aujourd'hui. Fouille les cadavres. Fouille les cadavres pour le butin. On peut les changer comme on a envie, voilà. Selon ce qui nous fait plaisir. Ok. Ok, 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 ok. Eh bien, parfait. Donc voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Je trouve que voilà, c'est un bon moment pour arrêter. Je vous dis à ciao, tchuss, bonsoir. Et à la prochaine. Salut.